La recherche sur les microbicides participe à la lutte contre le sida. Malgré la multitude des mesures prises dans la lutte contre le VIH-Sida, l'objectif n'est toujours pas atteint. Les recherches se poursuivent pour optimiser la prévention. C'est dans ce cadre qu'à Kigali, au Rwanda, le projet Ubuzima fait des expérimentations sur les microbicides. Les microbicides sont des produits vaginaux conçus pour réduire la transmission du VIH lors des rapports sexuels. Ceci est notre pharmacie. Et la pharmacie ne peut être tenue que par une seule personne, et en l'occurrence un médecin ou une infirmière. Ici, nous avons choisi un médecin, c'est beaucoup plus simple. Ces produits ont un double avantage. Non seulement elles ont plusieurs formes, il y a le gel, il y a l'anneau, mais il pourrait aussi y avoir des produits qui à la fois protègent contre le sida, mais aussi protègent contre une grossesse non désirée. Mais j'insiste encore une fois, ça ne sera pas un traitement, ça sera une prévention. Donc ça ne peut pas, par exemple, être destiné aux gens qui sont déjà malades, enfin, ou qui ont déjà été infectés. Avant de lancer sur le marché un produit, on fait quatre étapes essentiellement. La première étape s'appelle préclinique. Préclinique, ça veut dire qu'on va utiliser ce produit, on va l'exposer à des tissus humains ou bien à des animaux. Dès qu'on se rend compte que ce produit n'est pas très toxique, alors on va le lancer chez les humains. Nous entrons dans la phase 1. La phase 1 où vous regardez si le produit est sans danger pour l'humain vivant. La phase 2, c'est pour la tolérabilité. À quelle dose les gens peuvent tolérer ce produit? Donc, on est en train d'établir maintenant les doses. Et puis, la phase 3, c'est l'efficacité. Nous, on est en phase 1 et 2 pour les essais que nous faisons ici à Projet Ubuzima. Nos participantes arrivent ici, parce que ce n'est pas des patientes, c'est des participantes volontaires, pour la plupart, en fait, et toutes. Quand elles arrivent ici, la première étape, c'est à la réception. À la réception où on vérifie si elles ont rendez-vous. Et si elles ont rendez-vous, on doit savoir si c'est la première visite, deuxième visite, troisième visite, etc. Après cela, elle va passer les examens. D'abord, les examens médicaux. Comme ce sont des dames, en général, on va faire un examen gynécologique pour voir si elle peut vraiment participer. Après cela, on va faire les tests de sang, les tests d'urine, etc. Elle va attendre un moment, mais dès qu'on a les résultats, on lui communique. S'il s'agit d'une participante qui a une maladie, c'est l'occasion pour lui en parler et éventuellement l'orienter là où elle doit être traitée et le mieux traiter. Et à chaque étape, il y a toujours quelqu'un qui l'accompagne. La participante n'est jamais seule. Les résultats préliminaires nous ont montré trois conclusions. Enfin, nous sommes arrivés à trois conclusions. La première, c'est que les gens avaient trouvé ça très facile d'utilisation. La deuxième, c'est que les gens avaient trouvé que ça n'avait aucun inconvénient. Et la troisième, c'est que par rapport aux examens que nous avons utilisés pour vérifier si vraiment ces produits n'avaient aucun problème, nous n'avons trouvé aucune complication et donc nous pensons que c'est un produit qui a de l'avenir. Et ce produit s'appelle Dapivirine. Les nouveaux produits, en général, mettent énormément de temps pour arriver dans les pays du tiers-monde. Ça ne sera pas le cas des microbicides. L'objectif numéro un, c'est que dès que les produits sont disponibles, d'abord dans les pays du tiers-monde et gratuitement chez les participantes. Des participantes qui nous ont aidés à trouver le produit. Bituma rero bamwe ni nabyo byatumye bamwe bavamo abandi bari mu batwebwe turiyemeza tuza kureba ibyiza byawo aho nawukoreshereje nta kibazo nigeze ngira ni ibisanzwe nta na bimwe hari iby'imiti gitera umuntu akaba yaruka akayagira isesemi cyangwa se kurwara nk'imitwe kugeza uyu munsi nta kibazo twari twagira kuba maze kuwukoresha kuko turabazanye. Vamos lá.